隠してた感情が悲鳴を上げてる。奇跡だけを求め消えない闇をさまよう。ここにいれば二度と未来見ることできない。今宵の月が誘って、まだ言葉出せないけど心の中叫び続けた。隠してた感情が悲鳴を上げてる。確かな誓いを手に、あとほんの少しだけ強くなれてる。目の前にあるこの空越えてゆくから、この先にある未来に手を伸ばすから。Salut tout le monde, c'est Pure Gamer. On se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Sword Art Online Lost Song. Donc c'est parti. Alors, un joueur, il paraît que les donjons du coin sont de véritables mines d'or pour les matériaux et l'équipement. J'ai essayé le donjon à l'ouest avec mon groupe, mais les monstres étaient bien trop forts, on a dû abandonner. On va devoir s'entraîner davantage, mais vous avez l'air costaud, vous avez peut-être une chance. Il paraît qu'il y a des coffres rares, ils ne s'ouvrent que quelques fois avant de disparaître, ne perdez pas de temps. Oh, c'est vrai, merci pour l'info. Bien, du coup voilà, nous avons un point à faire. On va faire ce donjon. Donc c'est parti, donc c'est l'épisode 13 je crois de Sword Art Online. Donc la dernière fois on avait fait que de parler, et là aujourd'hui je pense qu'on va faire que des donjons, hein. Je pense. On va casser du monde. Alors du coup, ouais, si je peux voler, c'est vrai. Autant en profiter. On va passer par là. C'est un peu chiant, hein, qu'on a une grosse limite. Là, c'est encore pire que les autres mondes. Ok, c'est ici. C'est parti. C'est bon qu'elle est pas trop dure, mais généralement, c'est pas trop dur. Voilà le donjon dont ce joueur nous a parlé. Si il disait vrai, les monstres risquent de nous donner du fil à retordre. On a intérêt à faire attention. Ouais. J'espère qu'il dit faux, hein. La grotte d'Atride. Sors de là, Rain. Oula, la fille dont tu nous as parlé. La petite curieuse. Kirito, tu es bien trop malin. Oh, salut. Une minute, elle. Attention. Hein? Ah, je n'avais même pas remarqué qu'un monstre se cachait derrière moi. Ironique, hein. Merci de m'arceler, je ne crois pas qu'on se connaisse. Je m'appelle Yuki, ravi de te rencontrer. Yuki, j'aime bien ce nom. Et tu m'épates, ce monstre n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui est arrivé. Yuki a des réflexes encore plus rapides que les miens. Non, elle est plus rapide que toi. C'est rien, franchement, je suis simplement contente de l'avoir tué avant que tu te fasses du mal. Et je suis nouvelle dans l'équipe, moi aussi. Tu ne veux pas te joindre à nous au lieu de te cacher? Me joindre à vous? Bah oui, ce jeu est bien plus fun quand on y joue avec des amis. Ah, pas aujourd'hui, désolé. Oh, dommage. Enfin, je n'insiste pas. Mais si tu changes d'avis, je t'accueillerai à bras ouverts. Ok, merci. Putain, Yuki, l'épée absolue. Réflexe de malade, quoi. Oh, purée. Bon, on va voir si c'est aussi fort que ça. Hop. Oh. Bon, je suis en train de... Attends. Tiens. Et voilà, un de moins.
Encore un moins. Ok, le dernier est ici. C'est vraiment barré de sa zone, quoi. Je vous jure. Allez, meurs. Tu pourras pas gagner contre moi. Joli coup. Allez, meurs. Et voilà. Il y a encore un accéléré. Cette porte a l'air verrouillée. C'est juste pour dire ça? What? Ça serait peut-être la porte du boss. Ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça. On va continuer tout droit. Il y a des joueurs là. Étrange. Oh, un coffre. Clé, salle du trésor, enfin. Salut. Excusez-moi, vous pourriez nous aider à battre ce boss? Allez. Bien sûr, aucun problème. Merci, c'est sympa. La porte s'est refermée derrière nous. On se re-aise. On est coincé, il va falloir qu'on tue les ennemis de cette pièce pour voir. On prend celui de notre côté, occupez-vous de l'autre. Ça marche. Et c'est parti. Il est en train de le massacrer. Allez, meurs. Attaque. Je me suis trompé de touche, désolé. Ah ouais, il a tort, carrément. Je l'ai pas fait gaffe. Aïe, joli. Aïe. Vite, il est temps de se soigner là. Hey. Voilà, parfait. Aïe. Tu as rien. Allez, tout sur le boss. Merci. Putain, sérieux, ce baron. Mauvais moment, quoi. Aïe. Allez,
Bon allez, dis-moi qu'il n'y a plus beaucoup de santé. Il y a beaucoup de santé. C'est l'enfoiré. Oh, est-ce qu'il va mourir? Là, il est juste un peu chiant. Là. Bon allez, tu vas mourir là. Putain, il est long. Putain, je vais devoir l'ellipse, c'est tellement qu'il est long. Putain, il a perdu seulement la moitié, quoi, vous imaginez? Il est chiant. C'est pour ça que j'aime pas en fait les donjons, c'est relou. Ces boss là ils sont trop longs franchement, c'est le seul défaut de ce jeu en fait. Ils sont trop longs à chier quoi, on a compris hein. On a compris qu'il faut faire ça, voilà, ça, voilà. 15 000 fois quoi, on a compris. Allez, meurs. Papa, ça y est, enfin. Pourquoi ça? Faut le tuer aussi, là? Là, il y en a encore deux. Oh, putain. Au moins, on va bien monter avec ça, hein. Alors, enfin.
Enfin. Oh, un trésor. Merci du coup de main, voilà votre part du butin avec un petit plus en guise de remerciement. Vous avez gagné une récompense de Migurt. Merci, c'est gentil. Un fruit millénaire. Ok. Je crois qu'il y a un autre boss qui nous attend par ici. Allez, c'est parti. C'est parti. Ne fais pas quoi contre moi, c'est parti. Oh là là, ça va être chaud ça. Encore un. Ouais, il est assez faible, mais il est long. Il est super long quoi. Là, j'étais à deux doigts de mourir, hein. Oh purée. Bon allez là, toi tu es mort. Toi tu vas mourir. Ouais, dis-moi qu'il y a déjà la moitié là. Allez, meurs. Allez! C'est relou ces boss, franchement les boss c'est. Ah c'est relou, c'est chiant! Ah enfin!
ぜ。まだまだいけるわ。はっ。あおき。これ、この程度、かすり傷だぜ。頑張って。はっ。Allez là, il est presque mort. Ça se voit, ils sont plus debout là. Oh voilà, il est mort.Il en reste encore un. Ah voilà. T'es costaud le boss. Il était long surtout, il était pas costaud. La porte est ouverte, on va voir ce qu'il y a là-bas. Alors. Pierre draconique.Quelqu'un est venu ici avant nous, je parie que c'est Shamrock. Sans doute, ils nous ont battus cette fois, mais on ne va pas se laisser faire. Le prochain sera nous. Bien dit, je me sens encore plus motivé. Ok, on se casse d'ici, on se casse de cet enfer là.Ok, donc du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Encore ? Montre-toi, Rain. Mais comment tu fais pour me repérer à chaque fois ? C'est de la triche. Qui c'est ça ? Ah, salut, je m'appelle Rain. Moi, c'est Agile, je tiens une boutique d'objets et un café en ville. Café ? Cool ! Je ne sais pas pourquoi tu insistes pour te cacher, mais tu es la bienvenue dans ma boutique, viens quand tu veux. Hey, merci. Ok, est-ce que Rain viendra un jour dans mon groupe ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Jamais, jamais peut-être. Pourquoi on est en synergie ? J'ai un appuyé pourtant.C'est un beau con de l'utiliser là. Mais bon, apparemment ça sert à rien la synergie. Oh cool, un coffre. On va le prendre. Alors, on va y avoir ça. Un bouclier. Je vois mal mon personnage avec un bouclier, mais bon. Bon, il n'y a plus rien à faire ici. Allons à la ville aérienne de Rin avec de la chance. Peut-être qu'on aura du dialogue.Et j'aimerais bien régler ce problème d'attitude au max, là, ça serait vachement cool. Mais bon, pas trop demander non plus. Alors. Putain, ce donjon était chiant, les amis. Enfin, il était bien... Ouais, il y a un truc parfait. La boutique d'Agile. Il est bien pour... Il était cool, mais le problème, c'est le boss, quoi. Il est trop long, le boss. Trop long. Trop long à mourir. Hé, Kirito, tu as la visite. Passons au café. Passe au café quand tu pourras.Ah, c'est qui ? Steven ? Ah ouais. Kirito ! Steven, je suis content de te voir. Tu as encore faussé compagnie à Shamrock ? Oui, mais personne ne devrait nous interrompre. Je ne reste pas longtemps, je peux m'asseoir avec toi ? Oui, bien sûr. Tout a l'air bon sur ce menu, qu'est-ce que tu me conseilles ? Eh, Steven, je peux te poser une question sur l'interview que tu as donnée l'autre fois ? Si tu veux, je parle de cette séance. Tu parles de cette séance de questions-réponses avec Steven, c'est ça ? Non, plutôt de l'interview avec le docteur Rambo avant cela. Avant celle-là. Ah d'accord, je t'écoute. Tu as dit qu'il était impossible de rejeter le monde d'Akiko Kayaba a créé. Kakibo Kayaba a créé. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? D'un point de vue technique, le monde de Kayaba était une merveille. On ne peut pas nier le génie de sa conception. Malheureusement, je n'ai pas pu jouer à Sao pour découvrir la création de Kayaba de mes propres yeux.
Mais Halo a été conçu sur les vestiges des systèmes de Sao. Ici, je peux voir toute l'étendue de son talent. Qu'est-ce qui t'impressionne à ce point? Dans cette réalité virtuelle, on peut vivre des choses qui seraient totalement impossibles dans le monde réel. En gros, le monde virtuel détient le potentiel de transcender la réalité, peut-être même de la surpasser. Je vois ce que tu veux dire, je suis tout à fait d'accord, la technologie de la réalité virtuelle est extraordinaire. Mais les inventions de Kaiaban ne doivent pas nous faire oublier les crimes qu'il a commis. Tu n'es pas d'accord? Bien sûr que si. Tout ce que je veux, c'est utiliser les recherches de Kaiaban comme tremplin pour les miennes dans un but positif. Tes recherches? Sur quoi est-ce qu'elle porte exactement? Le Cloud Brain. Cloud Brain? Qu'est-ce que c'est? Top secret! De toute façon, tu ne comprendrais pas même si je te l'expliquerai. Ah non! Je ne peux pas me parler sans m'expliquer ce que c'est. Et je m'y connais pas mal, je te fraude. Une raison de plus pour n'en rien te dire. Pas question que je laisse quelqu'un me piquer mon idée. Pas juste. Enfin, je comprends pourquoi tu veux garder ça pour toi. Ça t'intéresse vraiment, postule pour rejoindre mon équipe, tu auras ma recommandation. C'est un honneur d'avoir la recommandation de la responsable des recherches en personne. C'est avec plaisir, j'ai hâte de voir le véritable Kirito travailler à mes côtés dans mon laboratoire. Lol. Bon, maintenant faut aller où? Donjon? Bon, là je suis sûr qu'il y a un dialogue. Ah non, même pas. Du coup, je vais. Donjon peut-être? Ouais, certainement donjon, on va voir ça. Peut-être qu'un joueur va encore m'interpeller. Y'a rien. C'est de bouger un peu. Non. Rien du tout. Où je pourrais aller? Merde, c'est chiant. Il faut peut-être bouger un petit peu, je sais pas. Ah bah c'est encore dans la taverne, j'ai pas vu. Après si je suis aveugle, c'est mon problème. Hein. Alors, c'est... Ah voilà, Sivan. Oh, salut Sivan, tu es de retour. Privé, Kirito. Et qui pourrait m'en vouloir? J'adore ce café, on s'y sent tellement bien. J'imagine que tu dois avoir marre d'être entouré de fans à longueur de temps, hein. C'est un peu ça. Les idoles sont chouchoutées par tout le monde et c'est plus compliqué que ça. Ce n'est pas tant comme un parent qui gâte son enfant, mais plus comme quand on joue à faire semblant. Comment ça? Je veux dire qu'il n'y a rien de réel, tout le monde joue la comédie, chacun a son rôle, l'idole comme les fans. Malgré les apparences, ce n'est pas comme si mes fans voulaient vraiment m'épouser ou je ne sais quoi. Ah bon? Je me suis jamais vraiment intéressé aux idoles, mais il doit bien y avoir des gens qui veulent vraiment ça. C'est possible, mais ils représentent une minorité, les autres font seulement ça pour s'amuser. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. C'est seulement parce que les fans et l'idole créent un spectacle si réel que leur cœur peut vraiment s'unir. C'est une expérience pure et sublime. Les fans dépensent beaucoup d'argent pour leurs idoles, ils n'en feraient pas soin s'ils ne s'amusaient pas. C'est un effort franc et sincère pour quelque chose qui leur plaît, c'est ce que je pense vraiment. Un effort franc et sincère. Je vois. Ah, t'es pas censé te faire rire, Kirito. Pourquoi tu te moques de moi? C'est méchant. Ah, pardon. Juste l'impression que tu m'as appris quelque chose d'important, j'ai encore beaucoup à apprendre de la vie. De rien, tu me traites comme une gamine, pas vrai? Non, pas du tout. Si tu me dis ce que tu penses vraiment, je te pardonnerai peut-être de t'être moqué de moi. Je me disais juste que je devrais faire plus d'efforts pour apprécier le monde de ce VRMM. Les jeux, c'est fait pour s'amuser, ce sont des endroits remplis d'aventures et de surprises. Ça doit être fun. Mais oui, c'est tout l'intérêt d'un jeu. bon, là, on est d'accord? Y'a rien. Il y a encore rien. Attendez, je vais peut-être pas me refaire avoir. Avec de la chance. Ça passe. Et non, ça passe pas. Je crois qu'il faut que je me téléporte autre part. Ah bah si, voilà. Steven, qu'est-ce que tu veux? C'est encore toi, c'est sûr.
Voilà. Kirito, je sais que tu reviendrais. Tu voulais me parler de quelque chose? J'avais juste envie de discuter avec toi pendant que je me détends un peu. J'adore nos petites conversations. Ah oui. Viens, assis-toi, je veux profiter de mon temps libre avant que Shamrock vienne casser l'ambiance. Ok. Alors. Kirito. Qu'est-ce qu'il te prend? Dis-moi, tu as des CO? C'est quoi ça? Non, pas encore. Ah, c'est des points de compétence, je crois. Ah bon? Pourquoi? Je me contente sur l'exploration de Svart FM, je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus sérieusement. Mais j'avoue que j'aimerais bien essayer d'entrer. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu peux bien arrêter d'explorer un moment, non? J'aimerais prendre le relais. Désolé, mais je ne suis pas encore prêt à céder à la victoire à Shamrock. Ah, dommage. J'espère que tu pourrais m'apprendre ta propre CO. Un CO? Je crois, il me semble, hein, que c'est un point de c'est une compétence que tu crées. Enfin, je crois que c'est ça, quoi. Corrigez-moi si je me trompe. Ah, le joueur. J'ai un service à vous demander. Les enfants sont partis explorer les ruines dans l'est de Poshin, mais ils ne sont toujours pas rentrés. Vous voulez bien essayer de les retrouver? On dirait qu'on vient d'activer une quête. Vous savez laquelle? Aucune idée. Ça a l'air important. On devrait s'en occuper. Je suis d'accord, essayons de trouver ces enfants. Merci, jeune gens. Tenez, prenez cette clé, si les ruines sont verrouillées, vous pourrez les ouvrir avec ça. Ok. Oh, les classes. Vous êtes tenu la clé de Zadre. Ça fait 30 minutes. Ouais, bah on a le temps de faire cette quête. On va se faire ça. Ok. Bon, j'espère qu'on aura pas de... Ah bah ça va, elle est ici. On va pas avoir trop de difficultés à l'atteindre. J'allais vu personne. Bon, normalement c'est... Hey, je la vois, c'est celle-là, ouais, c'est easy. Ouais, parfait, c'est celle-là. Parfait. Allez, c'est parti. Ça va, c'est pas bien compliqué, là. Bon, j'espère que le boss va pas être trop long. Ça serait sympa. Un petit peu de pitié, s'il vous plaît. On devrait pouvoir ouvrir la porte avec cette clé. Et ouais. Ouais, on va pouvoir rafler tout le butin. À fond. Ça s'ouvre. Je sais pas comment, mais ça s'ouvre. Par l'esprit. Il y a une clé. Ah non, c'est... Wow, 15 milliards, c'est vrai quand même. Oh, je suis riche avec ça. 15 milliards. Il y a une porte là-bas, on va essayer de voir. La porte s'ouvre. Hop, là c'est quoi? Ce n'est pas une main. Faudra que je vais chez Lise pour ça, mais bon, je verrai quand. J'irai si un jour je suis à nouveau bloqué. Sinon j'irai plus. Ou à moins que j'ai, je sais pas, on me dit allez, je le fais. Oh putain, 20 milliards quoi. Je vais devenir plan Zas. Truc de fou. Ok, il y a deux portes. Alors celle-là. La porte s'ouvre. Sympa comme donjon. Hein. Un katana. Oh bah ça c'est pour Lifa. Pareil avec des points d'interrogation. Ah putain. Je me disais ça va être trop facile. Enfin, le mécanisme il est tout là-bas. Ok, je l'ai loupé quoi. Façon de se dire que je l'ai raté. Dommage, je croyais que je l'avais fait bien ce donjon, mais non. Où est... Il est droit devant. Ah oui, ok. Bonjour messieurs. Voilà. Au revoir messieurs. Je vous laisse. Hein. J'ai pas le temps pour m'amuser avec vous. Ouais, bon, du coup, cette porte-là, c'est le boss. Hein. C'est parti. On va voir ce que ça vaut. Il y a un boss par ici. Allez, faites voilà quoi, il se fait direct. C'est parti. Ok, on va y arriver. Ouais, j'espère. Ah oui. Ok. Oh purée. Elle a une masse.
これで決めてやる。この程度かすり傷だぜ。頑張って。ここからが勝負だな。あれ、ちょっと待って、これ je le mets seul lui。 Bon, on va tuer ce sbire。 これで決めてやる。大丈夫、かすり傷。これで決めてやる。しまった。Merde, je vais me prendre un coup. Oh, genre. Ah, t'es sérieux? Et moi de casse-couille, hein. まだまだいけるよ。うん、もう大丈夫。これを使うか。ああ、まだまだいけるよ。ここからが勝負だね。でも、じゃあ、もう無理やん。リーファ、大丈夫か。Attaque! Ok, sur fin de moi. Parce que vous, en fait, c'est les petits, il y a les moyens et il y a le grand. Ok, ça commence à se régler. Raté. Raté. C'est bon, vous m'avez tué une fois là, vous ne pourrez pas deux fois. À un moment, on aurait pu de rêver, hein. Tiens. Eh merde. Bon. Là, il y a moins de monde, on va se concentrer sur le grand. Enfin, ça va pas être facile, quoi. Merde, putain, j'ai utilisé mon coup pour rien. Comment j'ai fait pour utiliser la synergie? Par contre, ça peut être compliqué. À la fac. Allez. Putain, il est chiant, lui. Aïe. Non, je vais mourir. Bon, lui, il est plutôt chiant. Voilà, maintenant il est tout seul, maintenant c'est tout. Vas-y, lui, on se le fait à deux là. On l'explose. Et voilà. C'est fait.
Oh là. 38 ans. Parfait. On pense à la piste, les amis. Ah. La porte du fond s'est ouverte. Ok, du coup, lui, c'était. Le gars sauvé. Merci d'être venu me sauver, ce monstre m'avait coincé ici. Je voulais devenir un vrai aventurier comme vous, mais je ne suis pas assez fort, enfin je reviendrai un jour. Oh, je vais oublier, j'ai trouvé un livre ici. Vous pouvez le prendre, j'en ai pas besoin. Merci, c'est heureux de nous être utile. Sympa. Je vais retourner en ville, j'espère que vos aventures se passeront mieux que les miennes. Kirito, dépêche-toi de le lire, qu'est-ce que ça dit? Du calme, ça vient. Ça parle du mécanisme au centre de l'île. Si on parvient à le faire fonctionner correctement, il supprimera les restrictions attitudes. Oh, je le savais. Et il y a une autre pièce par ici. Venez, on va y jeter un coude. On va y jeter un œil. Ah, c'est pour la restriction d'attitude, c'est cool ça. Un coffre. Il n'y a pas d'autre piège, hein. Bon, je l'ouvre. Ambre mystérieux. Bah, juste un tas de matériaux. Hein? Après tout ce qu'on a fait? Alors là, je suis déçu. C'est bizarre, les quêtes de ce genre rapportent au moins un objet rare quand on les finit pour la première fois. Oui, ce qui veut dire. Ils nous ont encore devancés. Rien de vraiment étonnant, il y a un énorme écart de niveau et de stats entre eux et nous. Qu'est-ce que tu veux faire contre une grosse guilde comme Shamrock? On n'a pas la moindre chance avec un si petit groupe. Mais on n'a jamais eu l'intention de former une guilde. Enfin, qu'est-ce que tu en penses, Kirito? Tu crois qu'on devrait créer une guilde et recruter des gens? Ou tu préfères qu'on reste avec nos races respectives? C'est le principe d'Halo, après tout. Si c'est ce que vous voulez tous, je ne m'y opposerai pas. Attendez, non, une minute! Je veux qu'on se batte tous ensemble! Ça veut dire qu'on doit former une guilde, ça me va? Ah, mais non, c'était pour rire, Kirito! Hein? Pourquoi tu fais cette tête? Je sais que tu as horreur des guildes. Pardon, j'y suis allé un peu fort. Ah bravo, ne me fais pas peur comme ça. Ça valait le coup rien que de te voir tirer cette tête. Enfin, ne rajoutons pas. Ouais, je m'en fiche qu'on batte Shamrock ou non, moi. Tant qu'on peut jouer tous ensemble, ça me suffit. Miss Bette, tout ça, merci. Alors. Bon, on va s'en aller. Peut-être nous a encore devancé, quoi. Mais ce livre est plutôt intéressant, pour réduire l'attitude, pour enlever cette restriction, serait pas mal. Oh, c'est toi, Rain. Tu me suis encore? Ah oui, je vous gênais, hein. Non, pas du tout. Tu sais, on commence à te connaître suffisamment pour ne plus te considérer comme une simple espionne. Alors, c'est une coéquipière, maintenant une amie. Comme ça, ça me plaît. Alors, Rain, qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, j'ai remarqué que vous ne gagnez pas toutes les récompenses de quête ces derniers temps. C'est parce que Shamrock la récupère avant vous, c'est ça? Oui, alors dans les VRMO, c'est généralement le nombre de membres qui fait la force d'une guilde. Donc vous aurez du mal à prendre le dessus sur une guilde de cette taille. Ils forment aussi plusieurs factions pour leur raid. Oui, on sait qu'on n'est pas assez nombreux. Mais je peux vous aider? Hein? Comme vous m'avez laissé vous suivre, j'ai récupéré tout un tas d'objets de matériaux rares. Je tiens à faire quelque chose pour vous remercier. Ce que tu vas faire, je vais tâcher de découvrir le prochain objectif de Shamrock pour qu'on puisse l'atteindre avant eux. Ils sont peut-être plus nombreux que nous, mais n'est pas forcément plus malin. Je dis ça comme si c'était facile. Tu en es vraiment capable? Bien sûr, tu verras. Bon, je vous laisse à plus. Dosvendaya. Et attends, comment est-ce qu'on contactera? Ah oui, ça, on pourrait peut-être. Pourquoi tu rougis comme ça? On passe juste qu'on s'ajoute à nos listes d'amis. C'est que. Juste pour. Nos amis, quoi, je suis juste un peu nerveuse. On est déjà amis, non? Bah oui. Je savais pas que Kirito a dit ça sans hésiter cette fois. Mais je crois qu'on est amis aussi. Haha. Vraiment? Merci beaucoup. Ok, on va s'en aller, les amis. Et revenir à Rin, la ville aérienne. Et comme ça, on pourra cesser ici. Parce que là, je coupe pas. Ah merde, ils sont bêtes. Je coupe pas l'épisode là, les amis, parce qu'au cas où, si on a une thématique comme là, non, ça aurait été plutôt chiant.
trompe à chaque fois. Ah, c'est par là. C'est par là. Allez, on se casse. Merde, j'ai épuisé. Comme ça, prochain épisode, les amis, on va peut-être réussir à découvrir comment enlever la tension attitude au max. Hein. Ça serait bien. Franchement, une bonne chose. Je me disais bien que ça allait pas marcher. Non, comme ça, on pourra voler tout en haut. Alors, l'aérienne d'Orin, c'est parti. Et au moins comme ça, je vais pouvoir voir combien, s'il y a des quêtes à faire ou pas. Ah voilà, qu'est-ce que je vous disais? Je me sentais bien ça, les amis. Ah, enfin de retour en ville. Vous êtes sûr que ça ne vous dérange pas que je vous accompagne? T'inquiète toujours pour ça, on est tous officiellement amis maintenant, plus de problème. D'accord. Au fait, je me demandais un truc, Rain. Tu sais te battre avec deux armes à la fois? Ah non, pas vraiment, je suis loin d'être aussi forte que toi, le grand héros. Alors comment ça se fait que tu portes deux épées? Ah, c'est vrai, bien vu, mais c'est un secret. Tiens donc. Enfin, je comprends, je ne parle pas trop de mes compétences. Bon, je vais vous laisser alors. Gaeto, tu veux que je te contacte quand je saurai ce que Shamrock a prévu? Oui, s'il te plaît, d'ailleurs, si tu nous accompagnes, tu nous accompagneras, alors pas partenaire. Hey, ça marche, à plus. Rain avait l'air contente de jouer avec nous. Je me demande vraiment pourquoi elle s'obstine à nous suivre en secret alors. Ah, c'est l'aventurier qu'on a aidé. Merci d'avoir sauvé ce crétin. Vous êtes mes héros, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait. De rien. Pourquoi tu fais cette tête? C'est super qu'ils aient pu rentrer en ville sain et sauf, non? Ouais, en plus, ça nous a rapporté un indice sur le mécanisme de l'île centrale. Oui, c'est vrai. Bon, je crois que c'est l'heure d'arrêter pour aujourd'hui. Oui, je vais me déconnecter aujourd'hui aussi. Gaeto, tiens-nous au courant si Rain te contacte. Ça marche. Rain a rejoint notre groupe. Ah, ça y est, enfin. Enfin. Ah bah du coup, bah, on va continuer encore, les amis. Hein. Ça va faire un gros épisode. Mensonge. Nouveau chapitre. Je croyais pas que j'allais finir le chapitre tout de suite. Voici un message de Rain. Apparemment, Shamrock va tenter une quête rare demain. Elle rapporte gros, c'est comme... C'est comme pour la précédente, les récompenses sont limitées. On devrait la faire aujourd'hui pour leur faucher l'herbe sous le pied. Rendez-vous chez Agile dès que vous serez connecté. Et nous revoici dans Halo. Merci d'être venu. Apparemment, l'objectif de Shamrock est la gorge au sud-ouest. Je me souviens de cette gorge, mais on n'a pas la moindre idée de ce qu'il peut y avoir au-delà. On le découvrira si on réussit à la traverser. Et si on rassemble un peu plus d'informations en ville avant de partir. Bien. Et du coup, nos missions sont ici. Ok. Bon bah du coup, ça... Ah bah impeccable. Bah du coup, prochain épisode, les amis, ça va être de l'info. Super. Bon bah j'espère que ça vous aura plu. Cet épisode numéro 13 de Sword Art Online Lost Song. Super, du dialogue. Yes, yes. Ce sera peut-être un épisode entièrement dialogue. J'espère que ça vous aura plu, ce gros épisode quand même. N'hésitez pas, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à mettre un commentaire si le let's play vous plaît, voilà. Voilà, voilà, merci à regarder. Bye bye!